qui a eu lieu à la bibliothèque à midi. Donc vous êtes chargé de retrouver le coupable, mais aussi l'arme du crime et le mobile. On voudrait savoir si vous, ce que vous étiez à midi aujourd'hui. Les Dépines, je ne sais pas exactement. J'étais pas loin de mon bureau. Non, j'étais en cours. J'étais dans mon bureau. Donc vous n'avez pas mangé? Si, j'ai mangé dans mon bureau un sandwich. D'un seul coup, j'ai entendu pas mal de bruit là-bas vers 11h15. Et puis j'y suis allé et puis j'ai vu qu'il y avait monsieur le diraison qui était en train de s'engueuler avec le gars qui était venu réparer la machine. Bon, a priori, je sais pas trop ce qui s'est passé. Avant 13h, j'étais en train de déjeuner. C'est quand que vous avez revu monsieur le diraison? C'était vers 11h30, et puis après, monsieur... après, moi, je suis reparti dans mon bocal pour finir de travailler. Vous n'avez pas revu à la cantine? Non, si, je l'ai revu vers 11h moins 5, midi par là. Quelques questions à vous poser. D'abord, j'aimerais savoir quel a été votre programme entre midi et 13h. Je suis au CELF de 11h30 à 14h30. Pour réinterroger, C'est nous-ci, il avait dit quoi déjà? Il avait juste dit qu'il était pas sorti de quoi à 11h55, qu'il après il était allé à 12h40 dans son bureau et qu'entre temps il a mangé. Ça parlait un peu fort, on voyait qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Je peux vous dire qu'à 11h30 j'ai été à la bibliothèque. Avez-vous déjà tué ou avoir l'envie de tuer une personne? C'est bizarre, mais je peux dire oui quand je vous ai vu arriver. Vous posez quelques questions? Je vous écoute. En fait, il y a eu une petite dispute entre monsieur le diraison et le technicien. Du coup, vous avez dit que monsieur Sinoussi est venu vous voir? Non, je l'ai appelé. Vous l'avez appelé? Ah, vous l'avez... Monsieur Sinoussi, je ne l'ai pas appelé. Vous venez de dire que vous l'appelez vers 13h. Vous l'avez juste engueulé ou bien vous l'avez frappé? Il a engueulé, mais il est à midi. Voilà. Et à midi, peut-être. Le meurtre, il est eu à quelle heure? À midi. À midi, puis. Du coup, il a fait le meurtre, il a déposé le livre et il a fait abattant pour montrer qu'il y a eu un meurtre. Je vais appeler quelqu'un. Je vais mettre sur le dos de celui qui allait venir. Voilà, il y aura. Attends, tu dis que c'est Joseph. Donc pour moi, c'est Joseph. Je pars te voir à la bibliothèque. On a trouvé ce livre. Ça, attends. Ça, regarde. On cherche le livre. Il te ramène à la page 27. Genre, le titre, c'est ça. Les métiers de l'informatique. Et quelle lettre on trouve? En gras comme ça. Le monsieur le dirigeant. Le dirigeant. C'est pas violent, mais il était en colère. C'est pas contre toi. Ça, c'est 10 contre toi. Non, on est 10 contre toi. Est-ce qu'un chef de groupe veut accuser? Monsieur, vous êtes énervé pour comment ça s'appelle? La graveuse, la graveuse. Je sais, monsieur. Une seule personne à la fois. José, parce que il s'y connaît bien en matière chimique et dans les appareils. Et on a vu que le technicien avait cassé justement l'imprimante 3D et que José était énervé contre lui. Donc il a des compétences en matière chimique et vu que l'arme du crime est dans le chimique, il est le seul à pouvoir l'utiliser, donc c'est le criminel. Bon, alors moi j'accuse monsieur Hautebourg, parce qu'on a trouvé pas mal de preuves contre lui. Du fait qu'il est calme, du fait qu'il s'y connaisse pas mal l'informatique, qui est chargé justement de l'informatique. Justement, c'est le premier accusé quand il y a un problème de ce genre. Et je pense qu'il s'est énervé, justement, il y a eu un mail, justement, de madame de Joseph. Et voilà, quoi, il y a plusieurs preuves qui l'accusent. Je dis, c'est monsieur José Ismaël. Tout d'abord, il nous a dit qu'il était tout seul de midi à midi 30, personne ne l'a vu comme par hasard. Il était tout seul, il nous a dit pratiquer de la chimie, et comme par hasard l'arme du crime c'est quoi? Arme chimique. Ensuite, il y a quoi d'autre? Il était jaloux du technicien, parce qu'à la base c'est lui le technicien, je crois. J'accuse aussi monsieur Sinoussi d'être complice, parce qu'il nous a dit qu'il avait mangé avec vous, alors que c'est pas du tout vrai. J'accuse monsieur Ismaël. Il a trop menti. Il a lâché deux mensonges en mensonge pour moi. Mon coup était prémédité déjà, donc je suis parti avec. Il a voulu en plus. J'ai emporté ma bouteille de perchlorure et après je l'ai attrapé et je lui ai fait avaler la bouteille. Enfin, le perchlorure qui était dans la bouteille. Monsieur, c'est pas bien. Voilà. C'est pas bien. Monsieur, vous êtes un assassin, c'est pas bien. Pour avoir mis en place cette merveilleuse.